C'est ma life, ma life en équilibre. 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 Salut à toi l'ami passionné de livraison, de mobilité douce et de paysage. Aujourd'hui, ça fait un an que je livre avec Uber Eats, Stuart, que je suis indépendant. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les choses que je vois de positif, mes tops et mes flops. Et franchement, il y a des choses à dire, il y a des choses bien, il y a des choses un peu moins bien. Mais vraiment, si ça fait un an que je fais ce métier, c'est vraiment qu'il y a des bonnes choses à voir. Allez, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Mais on livre en même temps. Et là, on est parti sur une matinée midi. Puisque ce soir, je ne pourrai pas livrer. Donc, on va aller tester et voir si on a des médicaments à livrer. Pour résumer, en un an, j'ai fait 1000 livraisons, un petit peu plus de 1000 avec Uber et 145 avec Stuart. Alors, je vais commencer déjà par les points négatifs. Pour moi, les gros points négatifs de ce métier, c'est l'attente dans les restaurants ou au niveau des clients. Le fait de devoir être noté avec des pouces en l'air, des pouces en bas, je trouve ça très négatif et discriminatoire. Bien sûr, le gros point noir aussi, c'est tous les cons qu'on peut trouver sur la route. Alors ça, la mise en danger, c'est tous les jours, tout le temps. Ça peut être saoulant et prenant pour les gens qui n'ont pas le mental. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et un autre point qui est pour moi pas négatif, mais je sais que pour certaines personnes ça peut être négatif, de ne pas avoir un salaire fixe tous les mois. Et le dernier point négatif que je trouve barbant, c'est l'URSSAF. Quand même 22% qu'on fasse 100 balles ou qu'on fasse 1000 balles, franchement, je trouve ça un peu dégueulasse. Ça devrait être par rapport à ce qu'on gagne. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé d'y passer. Maintenant, passons sur les points positifs. Alors là, il y en a pas mal. Le fait déjà d'être libre, de pouvoir choisir ses horaires et les jours qu'on veut travailler. Le fait d'être payé toutes les semaines, je trouve ça super excellent. Pour pouvoir gérer son budget, pour pouvoir être motivé, je trouve que d'être payé toutes les semaines, c'est la meilleure solution. Et encore, avec Uber, on a la possibilité d'être payé même le jour même. L'autre point de positif, c'est qu'on ne sent pas de pression avec un patron qui est au-dessus de nous à nous dire « faut faire ceci, il faut faire cela ». Ça nous gérer notre temps, ça nous gérer notre façon de travailler. Si on a envie de prendre tel sac, on a envie de faire de telle façon, si on a envie de refuser une course et qu'on préfère l'autre qui est plus, on va dire, mieux rémunéré et qui est plus pratique pour nous, et ben c'est nous qui choisissons et ça, c'est vraiment plaisant. Alors si vous aimez la liberté d'être sur la route, comme moi, c'est pour ça que j'aime bien la livraison, c'est d'être sur la route et de pouvoir voyager, découvrir des petits coins dans mes villes qui sont aux alentours, et c'est ça que je trouve excellent aussi dans la livraison. Et je trouve dans mon coin, c'est la bonne entente entre livreurs, faut se faire un petit peu sa place, mais un coup qu'on vous connaît, un coup que vous avez fait vos preuves, eh ben, je trouve que c'est super sympa le fait d'être super en contact avec les autres livreurs, se dire bonjour, passer du temps un petit peu à discuter, bah, ça fait du bien, on se sent un petit peu moins seul, comme c'est quand même un métier assez solitaire, le fait de pouvoir rencontrer les collègues, eh ben, c'est super cool. Ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir livrer avec des véhicules insolites ou faire ça à vélo. Ah, franchement, c'est cool comme métier, surtout quand j'ai des paysages comme faire chez moi. C'est vraiment excellent, quoi. Franchement, si vous aimez être sur la route, comme je disais tout à l'heure, vous aimez rouler, bah c'est vraiment le métier qu'il vous faut.
J'ai peut-être oublié des choses à vous préciser. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que ce sera avec plaisir que j'y répondrai, comme d'habitude. Et donc, on est parti pour la première livraison de la matinée. T'es en train de nous appeler. Alors, c'est parti. Ah, après les cafés, ça s'est renversé. Ok. C'est vraiment désolé. Hein. Toi, j'avais calé et c'est tout vrai. Ça, mais ça se renverse. C'est pas bien conçu, leur. Faut faire une réclamation, par contre. Non, t'es. Parler français anglais? Non. Okay, just parle un peu de français. Ça va, ça va encore. Okay, what did you say? I think you said it was basculer. Yeah. Okay. Dans une réclamation. Niente problema. Parle italiano. That's the wrong language again. It's okay. Thank you. Merci. Okay. excuse me. No, voilà. It's okay. Je l'avoue, mon anglais est vraiment pourri.
et je suis parti pour une double. Et j'ai encore loupé l'entrée. Pour changer, oui, c'est bon. C'est à droite après, c'est ça? Attention, un débile me colle. Et quand on n'est pas respectueux avec les autres une fois, pourquoi on le serait une deuxième fois? Clairement. Quel débile, et forcément, il y en a un, il y en a toujours un deuxième. Super. Bon appétit, bonne soirée. Enfin, bonne journée. Là, clairement, je l'avoue, c'est complètement ma faute. J'arrive bien beaucoup trop vite et j'anticipe pas le vélo. Bon, faut faire attention. Mais c'est que le début de la journée et ça promet. Et me voilà parti pour aller chercher ma double au carrefour de Sifour. La rue est étroite, limitée à 30, mais ça n'empêche que certains roulent comme des cinglés.
passer le pont. Alors. Et voilà. Et merci beaucoup. Bah, bon appétit, bonne merci. Soirée. Ah, bonne journée. Merci. Et me voilà parti pour la double de cette commande. Il me voit arriver, mais faut qu'il force quand même le passage. Si je me décalais pas sur la ligne blanche. Cette commande est rigolote parce que je livre juste à côté du club où que je suis, où que je vais faire mes feats. Donc c'est très rigolo que je livre juste à côté. Bonjour. Merci, au revoir. Alors pendant le montage, je viens de me rendre compte qu'il manquait une vidéo de livraison. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait une embrouille avec le manager du McDonald's. Le mec me prend la tête parce que j'avais pas pris la photo correctement avec l'application Stuart. Vous savez, moi je fais directement comme ça, ça prend pas la photo du paquet, mais bon, ça passe, on s'en fout. De toute façon, ça fait aucune preuve correcte de prendre un paquet comme ça dans le vide. Voilà. Donc, le mec, il commence à me prendre la tête, à dire que c'est le patron, et gna gna gna, et gna gna gna, et que je lui dis que c'est pas mon patron, que moi je suis indépendant et que je suis patron aussi. Enfin, bref, c'est dommage que j'ai pas cette séquence-là, parce que ça aurait été fandard. Et enfin, vous allez comprendre à la fin de la vidéo que c'est vraiment pas ma journée. Deuxième fois de la journée, je rate la rue, obligé de faire demi-tour. C'est original. Ah oui. Ça marche bien ça? Ah oui, parfait. Franchement, il n'y a rien de mieux. Ouais. Ah oui, oui. Mais c'est sûr que ça, du coup, ça passe partout, quoi. Ah, ça passe partout, ça a une autonomie de 110 km. Ah, quand même. Ah oui, ça va jusqu'à 70 km. Bon, oh, j'y vais pour. Hein. Putain. Parce que 70, ça devient dangereux. C'est sûr. Mais 50 déjà. Ouais. Ça permet de bien fluide dans les virées. Viens voir, vite. Viens voir. Ouais, bah, si vous voulez, j'ai une chaîne YouTube. Ben. Bah, si ouais. Ça vous intéresse. Ah, ben bah, oui, je vais regarder. Viens voir. Avec quoi il nous livre, monsieur? Bonjour. Ça va jusqu'à 70 km/h. Il a une chaîne YouTube, on va regarder. Ah, c'est génial. C'est parti. Et c'est parti pour aller chercher deux pizzas. C'est pas souvent que je fais cette pizzeria, mais je l'ai fait déjà une fois et le monsieur était tout étonné de me voir arriver en giro-roue. Encore une zone 30 qui n'est pas du tout respectée. Encore une qui a dû bien respecter le feu rouge. C'est 31,94.
nouvelle pas très réjouissante, mais ça va, tout va bien. J'ai fait ma première grosse chute avec la gyroroue. Bon, bah voilà, quand il n'y a pas les protections, bon, c'est juste bien râpé. Au coude aussi, et puis le gant, voilà. Et bien sûr, la gyroroue a perdu sa béquille. Bon, ça va, je l'ai récupérée, je pourrais la remettre. Et puis, bah là, devant, elle a pris cher. Sur les côtés, ça va encore. Là, au-dessus, elle a pris cher aussi. Sinon, le reste, ça va. Voilà. Mais du coup, j'ai plus de béquille. Il va falloir que je remette ça. Ouais, et du coup, bah voilà, c'est la fin. Hein. Bon, j'ai fait, je crois, peu 38 ou 39 euros. Presque 40. Pour un midi, c'est pas mal. Si j'ai aussi ma cheville, j'ai pas dit. Ouais, j'ai ma cheville aussi qui est un peu douloureuse. Mais je pense à rien de grave. Parce que ça fait plus de 10 minutes, elle n'a pas gonflé. Donc je me suis juste un peu tordu la cheville. Faut que je mette de la pommade et que je me fasse peut-être un jour de repos, on sait pas. On verra demain. En tout cas, bah ouais, j'ai peut-être y pensé à mettre des protections genoux et coudières. Parce que la preuve, hein, ça peut servir. Bon, j'étais à 25. Ouais, 25-30. Et au final, ce qui m'a fait tomber, c'est un truc tout con, mais vraiment tout con. C'est, vous voyez, ça fait la route comme ça. Et vous avez fait, ça fait une petite bosse comme ça. Comme un ballon. Et je suis passé dessus, j'ai pas fait gaffe. J'ai perdu un peu l'équilibre à l'avant. J'étais un peu trop penché vers l'avant. Et puis après, bah, je suis rebasculé en arrière pour essayer de ralentir, pour reprendre mon équilibre. Et puis là, la roue, elle est partie. Et moi, je suis tombé sur le sac. Et après, bah, le genou un peu frotté. J'ai essayé de me retenir un petit peu pour que j'ai glissé un petit peu. Mais ouais, c'est impressionnant quand même, hein, même à 25 km/h. Donc ouais, j'aurais dû écouter ceux qui me disaient mets des coudières et des genouillères, au moins ça. Bon, ça va, j'avais la dorsale et puis le short quand même. Le short rembourré. Et j'ai senti quand je suis tombé qu'heureusement que c'était là. Sinon, je m'aurais pu me faire mal là au niveau de là aussi. Mais sinon, ouais, non, franchement. Faut faire vachement attention parce que vous voyez, sur des trucs super dangereux, bah on fait attention. Mais des fois sur des trucs tout bêtes, c'est là que vous tombez. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Sinon, bah je vous dis, c'est ma life en équilibre. Ouais, en équilibre, là c'est le cas de le dire. Sinon quand même, bon midi. Je suis quand même étonné, j'aurais pensé faire que 30 balles, mais presque 40. J'aurais peut-être pu continuer, mais vu que je suis tombé, je sais pas, ça m'a cassé le truc. Je préfère rentrer, de toute façon il est presque 14h, il est 14h moins le quart, donc voilà, fait bien de rentrer. Et voilà, bah, je vous dis à très vite les amis, à la semaine prochaine, bisous, bye.